Sur le lieu du Bourneau occupé, dans la chambrette, comme c'est appelé. Hein. Alors, vous avez été à la fois dans les AG, dans tout le mouvement depuis le départ. Ça fait une semaine qu'il a commencé ce mouvement, hein, un petit peu plus, puisqu'on est lundi et que ça fait donc 9 jours maintenant. Voilà. Aujourd'hui, il y avait à la fois une action ce matin, il y avait... un retour du vendredi de la colère, il y avait des choses en lien avec, la suite, puisqu'il y avait une AG cet après-midi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur tout ça? Qui a envie de parler? Eh ben, on peut dire que pour une première semaine, elle était bien remplie. On a réussi déjà à faire une petite action au bout d'une semaine. Voilà, et puis s'organiser aussi nous-mêmes, en fait, c'est essentiellement ça qu'on a fait, quoi, sur la semaine. Organiser ce qu'on allait faire, essayer de d'être tous d'accord sur le fonctionnement interne, les actions. Tu veux parler de l'AG? De l'AG d'aujourd'hui? C'était la quatrième AG. Quatrième, ouais. Mais du coup, c'est une AG qui a permis de faire un peu le point sur le passif du mouvement. Donc, quelques détails techniques concernant l'organisation, sur l'action du jour, sur les actions à venir. Et elles sont nombreuses, les propositions d'action. Donc voilà, ça a permis un peu tout ça. Et à la suite de cette AG, il y a déjà deux commissions, deux groupes de travail qui sont en train d'avancer sur des questions qui ont été soulevées pendant l'AG. Donc ouais, c'est assez dynamique. Pour l'instant, il y a une belle dynamique en place. Alors, j'ai peut-être pas pris les choses dans le bon sens. Au départ, ce mouvement se revendique de ce qui s'est passé à l'Odéon. Hein. Et puis il y a eu un premier communiqué de presse au moment de l'occupation elle-même, puisque l'occupation a commencé vendredi dernier, avec un collectif qui est arrivé, qui s'était préparé avant, hein, il y avait eu des réunions avant. Voilà. Alors, voilà, appel de l'Odéon, voilà, communiqué de presse, tout ça, est-ce que vous pouvez en parler? Bah, c'est sûr, c'est qu'en tout cas, le mouvement dans lequel on est, là, il s'inscrit dans le mouvement qui est parti de l'Odéon, qui concerne un paquet de lieux maintenant. Et en fait, voilà, après, sur l'objectif, on s'est quand même rendu compte, et puis on s'en est rendu compte aussi dans les différents lieux, mais que ça ne concerne pas que les intermittents et la réouverture des lieux de spectacle. Mais qu'en fait, finalement, là, on a cette loi réforme de la loi chômage qui va tous nous concerner, intermittents ou pas. Et du coup, voilà, alors peut-être que ça... Je sais, enfin, il faudrait revérifier ce qu'ils ont mis dans l'appel de l'Odéon si on rentre toujours là-dedans avec ça. Mais en tout cas, c'est un message qui a été relayé un peu partout, ça. Mmh. Cette histoire-là de défendre les précaires de manière générale, quoi. Sachant que l'appel de base, il est en perpétuelle évolution. Parce qu'il y a, suite à l'appel de l'Odéon, il y a plusieurs lieux qui ont été occupés sur tout le territoire et dont une partie de ces lieux qui se sont organisés, qui ont créé une sorte de coordination nationale qui permet d'avoir des échanges sur tout ce qui se passe et de faire évoluer les revendications. Et il y a déjà des choses qui sont arrivées en plus par rapport à l'appel initial. Donc c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement en fonction de l'actualité nationale, des discussions qu'il y a entre les lieux occupés, et voilà, c'est pas figé.
Et nous, on s'inscrit complètement dans ce, pour l'instant dans ce truc-là. C'est le 106e lieu occupé. Hein, donc ça fait maintenant, ça fait au moins 50 jours que ça a commencé. Hein, ouais, je ne sais plus exactement. À peu près 2 mois. Quoi. Voilà, à peu près 2 mois. Hein. Alors, il était dit à un moment donné dans une AG que bah, c'était un peu sur le tard, peut-être, que ça pouvait être pris comme ça pour que le Bourneau s'inscrivait mais dans le mouvement. Mais en même temps, ça relance aussi. C'est quelque chose qui donne bien la perspective que c'est un mouvement global, collectif, avec des liens entre les différents lieux, à tel point que, par exemple, là, il y a un lien avec la fabrique de Valence. Hein, et avec Di aussi. Et avec Di aussi. Oui, et avec Di. Donc, voilà, les départements limitrophes. Oui, donc par rapport au fait que les gens sont peut-être sur, enfin, le grand public croit que ces mouvements-là demandent la réouverture. C'était peut-être le cas au début. Là, maintenant, on a dépassé un peu cette problématique parce que réouvrir quelques lieux de spectacle, comme le Centre Le Bourneau, par exemple, c'est une super idée, mais ça ne fera pas vivre les intermittents pour autant, en fait, parce qu'on n'est pas nombreux à travailler ici, dans ce genre de salle. Du coup, c'est beaucoup plus large que la réouverture. Et même certains lieux commencent à se poser la question, est-ce qu'on ne s'opposerait pas à la réouverture des lieux de spectacle pour dire que voilà, c'est une... Sachant que ces lieux de spectacle, ils sont occupés par, certes, des intermittents, mais c'est loin d'être que des intermittents qui les occupent. Il y a énormément de gens, de chômeurs, même d'actifs, mais précaires ou pas, mais soucieux des conséquences des réformes qui sont mises en place, notamment celles sur le chômage, qui est catastrophique. Il faut vraiment avoir conscience que cette réforme, elle est dramatique. En gros, c'est la fin du chômage. Ouais. Clairement, c'est la fin du chômage annoncée. Voilà, c'est une première étape, mais on va vers ça. Et du coup, réouvrir les lieux de spectacle sans avoir rien obtenu, finalement, par rapport à ces revendications de base, bah, en fait, c'est pas sérieux, finalement. C'est plus du tout la demande des personnes, des militants. Oui, alors j'en profite, Nicolas, sur le fait que tu interviens comme ça, parce qu'en fait, toi, tu représentes pas forcément un artiste là, au niveau de ce collectif, tu représentes plus justement les situations qui sont un peu précaires autour. Entre autres, toi, tu es pion, hein, c'est ça, ouais, hein. Et donc, il y a une situation un peu précaire aussi, ouais. Ouais, il y a des précarités. Enfin. Ah oui, complètement, et d'ailleurs, nous, on est en grève depuis le mois de décembre. Les assistants d'éducation. Il y a un gros mouvement de grève national qui est assez massif, pas du tout relayé, aucunement dans aucun média, etc. Mais du coup, on est en plein dans la logique de précarité, etc. Et on s'inscrit pleinement dans ce qui se passe dans les lieux culturels. Donc il y a à la fois des artistes, on va dire, entre guillemets, des grosses pointures, qui sont dans ce mouvement, des pointures, des gens qui, comme tu disais, qui ont pignon sur rue, puisqu'ils viennent au Centre Le Bourneau, ils ont des salles, ils ont une habitude, ils ont des programmations, ils ont tout ce qu'on veut. Et il y a aussi les petits artistes, ceux qui, il me semble qu'ils peuvent être concernés par ça, ceux qui gagnent pas leur vie en tant qu'artistes, qui sont forcément avec d'autres petits revenus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais envisagé non plus au niveau des statuts. Bah, c'est un sujet, j'ai appris qu'à la fabrique de Valence, ils s'interrogent beaucoup sur comment réenvisager le monde du spectacle avec une logique un petit peu plus équitable. Parce que voilà, bon, personnellement, moi je suis musicien, pas intermittent, je boucle les fondements en faisant des cours de musique. Et à côté de ça, on a un festival à Luna où les cachets se comptent en centaines de milliers d'euros, quoi. Enfin, en tout cas les têtes d'affiche. Et du coup, on a quand même une différence copieuse quand même entre les... Voilà, une différence qu'on n'accepterait pas dans le monde du travail. Et du coup, il y a une réflexion aussi là-dessus, sur comment peut-être réfléchir... bon, en tout cas pas ici pour l'instant, mais dans certains lieux. Quand tu parles du festival à Luna, moi j'entends bien. À un moment donné, il y avait un festival qui s'appelait La Pleine Lune, là, qui était un festival qui, me semble, n'était pas tout à fait sur les mêmes portes d'entrée qu'à Luna.
puisque c'était un festival dans lequel il y avait des artistes qui étaient porteurs de quelque chose de peut-être plus, je ne sais pas comment dire, artistique, du côté artistique et pas du côté de l'amusement ou du divertissement, puisque quand même à Luna, il y a quand même un peu cette partie-là à l'intérieur. Et c'est vrai que le monde de la culture, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, mais depuis un sacré moment, est en train de partir et de nous entraîner tous sur le divertissement et non plus sur justement ce qui fait société, c'est-à-dire ce qui nous fait réfléchir ensemble, porter des aller de l'avant, construire une société pour demain, pour nos enfants, pour enfin. C'est une autre question peut-être. Du divertissement et de la com gouvernementale. Parce oui. Subventionner. Des gros festivals avec des millions, ça permet de faire des vitrines. Ouais. De faire tourner Universal. Ouais. Non, je dis Universal, mais enfin, c'est par exemple là, tu parles de deux exemples, à mon avis, qui n'utilisent pas les mêmes circuits de programmation. Je pense que les gens qui programmaient, enfin, pas qui programmaient, mais les gens qui passaient à la pleine lune, ne sont pas dans les réseaux des programmateurs de Luna. Je pense hein, que c'est quand même... Oui. À Luna, on est quand même dans du festival mainstream. J'ai rien contre le monsieur qui gère cette affaire et tout, et l'événement, au-delà de la quantité de subventions ramassées quand même chaque année. Mais on n'est pas sur les mêmes types de culture, entre guillemets, quoi. C'est pas pour dire qu'il y en a une mieux que l'autre, mais qu'en tout cas, en matière de budget, c'est incroyable l'écart qu'il peut y avoir entre cette culture-là, ben, du printemps de Bourges, des vieilles charrues, de tous ces gros festivals, et puis ben, du quotidien du musicien qui va jouer dans les bars et qui fait, voilà. Bon, ça c'est toute une problématique, je sais pas si on arrivera à quelque chose ensemble, mais en tout cas il y a des endroits, ils essayent. En tout cas, bon, enfin, ce mouvement-là se pose aussi ces questions-là sur justement la culture, pour qui, pourquoi, comment, avec quels moyens, etc. Quoi, hein. C'est bien aussi ça. Ça fait partie des... ouais. Je sais pas, est-ce que vous sentez, vous, des questions que je ne vous ai pas apportées ou que je vous, hein, que je vous ai pas posées à rajouter au Schmilblick? Oui, il y a un truc, ouais, sur la, bah, en fait, là, donc, on est, comme tu disais tout à l'heure, hein, on est entre, on est, allez, quoi, 20-30 à être régulièrement ici, à passer. On n'est pas 20-30 intermittents ni précaires sur l'Ardèche, on est... Allez, j'allais dire 20 à 30 000, je ne sais pas trop, en fait, je dis au pif total. On est nombreux, en tout cas, et on aimerait bien voir une implication de tous les gens qui vont être touchés par cette réforme, et pas uniquement de ceux qui anticipent le truc en se disant « Ouh, ça va être là, le gros why ». Donc en fait, ça pour dire qu'on a besoin de tout le monde, tous ceux qui sont concernés, et en Ardèche, des gens qui travaillent contrat court, chômage contrat court, il y en a un sacré paquet, et c'est eux qui vont morfler, en fait. Et aussi le truc à rajouter, c'est que y a clairement une volonté d'aller vers une convergence des luttes, même si ça c'était pas revendiqué, c'est une tête de base clairement identifiée de l'Odéon, ça reste que l'objectif final c'est une convergence des luttes. D'ailleurs, dans le communiqué de presse qu'on a fait partir le jour de notre arrivée, c'était écrit noir sur blanc que dans le cadre de cette occupation, on s'inscrivait aussi dans le soutien de toutes les luttes sociales et dans le combat mené contre les lois liberticides du gouvernement, sa dérive autoritaire, et ça fait partie intégralement quand même des revendications qu'on porte dans nos luttes, même si c'est pas ce qui est mis en avant. Puisqu'on est plus effectivement sur la précarité, la réforme de l'assurance chômage, mais en fait tout ça ça fait partie des mêmes combats et il est important, petit à petit on va aller vers aussi de plus en plus vers ça et essayer de rassembler toutes les forces militantes du coin pour qu'on arrive à voilà, être de plus en plus visible, d'avoir de plus en plus d'impact et de regrouper un max de monde sur des luttes qui seront un peu plus... voilà. Juste une dernière question, il me semble justement, enfin, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, qui peut venir participer à ce mouvement, à ce beau mouvement, qui est un mouvement qui se veut solidaire justement, hein, puisque l'émission s'appelle Solidaire d'abord.
Mais bon, c'est un mouvement qui se veut solidaire, c'est-à-dire justement ouvert sur, sur quelque chose qu'on peut mettre en commun, quoi. Toute personne qui désire aller vers plus de justice sociale, à sa place, voilà, de toute façon. Et comment prendre la parole? Parce que c'est intimidant quand même, on arrive, voilà, c'est pas forcément simple. Je crois que ça a été un peu pensé, non? Bah, on a passé quelques jours justement à s'interroger sur le modèle de fonctionnement qu'on allait adopter, qui permette d'inclure le max de gens possible. Donc, en gros, on est sur quelque chose d'ouvert, quoi. C'est-à-dire que là, on a préparé une journée type qui est en évolution un petit peu là aujourd'hui, mais avec, de toute façon, chaque jour, on cherche à intégrer tous ceux qui viennent. On ne va pas refuser quelqu'un, y a une petite condition que je détaille juste après quand même, mais le but c'est d'inclure tout le monde au jour le jour, en fait, en fonction de qui est là. Après, pour ce qui est de prendre la parole en AG, ça se passe comme ça, on lève la main, et normalement, si on finit par avoir la parole. Après, la seule petite précision, voilà, c'est que c'est un mouvement apolitique, ce qui ne veut pas dire que si vous venez là, on ne parlera pas de politique, ça veut juste dire que le mouvement il n'est pas reconnu politique, et que en cette période de campagne électorale, les futurs élus qui chercheraient des voix ne sont pas forcément les bienvenus. Corrigez-moi si je me trompe. Alors moi, je dirais pas qu'il est apolitique pour le coup, mais il s'inscrit pas dans une logique politicienne. C'est-à-dire que on fera pas des ponts avec les élus et encore moins parce qu'on est en période électorale. Enfin, pas ni moins ni plus, mais c'est pas parce qu'on est en période électorale qu'on va se servir de ça pour essayer de médiatiser lutte. Par contre, je dirais pas qu'on est apolitique parce que par définition, c'est un combat qui est éminemment politique. Voilà. Est-ce que justement il ne peut pas y avoir des risques, je ne sais pas moi, que le fait que la mairie soit sollicitée, le maire se présente, dans une élection départementale. C'est compliqué ça, non? Pour arriver à garder les choses claires. Bon, je dirais grand bien lui fasse, veut se présenter, ça ne me choque pas. Du moment qu'il fait... Voilà, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il n'y ait pas de récupération, en fait, politique du truc, c'est essentiellement ça, pour pas polluer notre... pour pas s'égarer, en fait. Non, mais c'est bien ce que tu dis. Parce que, si, monsieur, je ne connais même pas son nom, je suis désolé, excusez-moi, monsieur le maire, si vous voulez vous présenter, mais j'ai rien contre du tout. Voilà, pour vous préciser qu'on a besoin de tout le monde et de café, quoi. Voilà, il y a urgence. Il y a urgence à se défendre, en fait. Alors ça, sur ce sujet-là, peut-être deux minutes encore, justement, sur cette urgence à se défendre. C'est-à-dire que pendant qu'on est avec ça, là, avec le masque, pendant qu'on est tous plus ou moins séparés les uns des autres, parce que c'est bien ça qui se passe, c'est chacun chez soi, une lutte comme ça, qui s'inscrit, est-ce que ça ne s'inscrit pas aussi dans quelque chose qui est... moi, je voudrais qu'on continue à être ensemble et à faire société. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça qui est aussi derrière? Si, forcément, il y a toujours cette question-là. Mais c'est surtout qu'avant d'avoir cette crise sanitaire, on était en plein mouvement contre la réforme des retraites, qui était une attaque encore supplémentaire à la sécurité sociale qui est en train de finalement disparaître. Après un an et demi de crise sanitaire, on est en train de tuer l'assurance chômage. C'est les uns après les autres, tout notre système de redistribution qui essaye d'établir un minimum sociale est en train de s'effondrer. Il y a un empilement de mesures, voilà. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas réagir puisque scotché. On peut réagir. Enfin, on est quand même... On est là. Donc, oui, et puis tout le long de... Tout, pendant les un an qui ont séparé le début de l'état d'urgence sanitaire, on va dire, et maintenant, il y a eu des mobilisations sur tout le territoire, tout le temps.
Donc on peut toujours agir. C'est... Et là, il y a en ce moment ce mouvement d'occupation qui est en train de centraliser voilà, tout un tas de revendications tout, et qui permet de recréer une dynamique qui, voilà, qui permet de, d'être acteur de ces changements-là. Donc il y a urgence à se retrouver, à construire quelque chose, à construire des nouvelles formes de lutte. Quelque chose qui permette de, voilà, d'aller plus loin qu'une simple manifestation. Est-ce que, comme ça, juste un petit mot, vous avez l'impression qu'il y a eu une nuit debout, il y a eu les gilets jaunes, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans ça? On cherche des moyens de se faire entendre, d'agir en fait. Et en fait, ouais, pour moi, c'est du même ordre. Ces mouvements-là, c'est des... Oui, c'est des gens qui se rendent compte que bon, il faut que ça change. Et en fait, la manière qui est testée depuis, depuis pas mal d'années ne porte pas vraiment ses fruits. Hein, parce qu'il y a plein de mobilisations partout en France. L'État est dans un déni total de tout ça. Du coup, c'est plus vraiment le mode d'action privilégié. Et ça, ça fait partie d'autres modes d'action envisageables et qui font que déjà, oui, on peut se rencontrer et discuter, quoi. Bon, un truc par rapport au milieu artistique local, je trouve que ce genre d'occasion-là, et bien justement pour réunir des artistes qui n'ont aucun lien entre eux. Quoi. Sur le territoire du Sud-Ardèche, on est très nombreux à être disséminés, en fait, des compagnies, des musiciens, des groupes, à être disséminés, puis à ne pas forcément se connaître, sauf si on travaille ensemble, en fait, ou si on se croise sur un plateau. Et c'est pour ça qu'on a été long à se mettre en route, hein, parce qu'au début des occupations, on a tous, enfin tous, moi je fais partie des gens, musiciens qui ont contacté des collègues en disant bon on y va, et en fait on s'est rendu compte qu'on était quatre parce qu'il n'y avait pas de cohésion du réseau en fait. Donc ça fait déjà du bien de voir un peu des collègues qui sont dans les mêmes problématiques, et ça a un côté antidépresseur. Oui, parce que par exemple l'AG de la semaine dernière, il y avait 150, pas loin de 150 personnes. Il y a plein de gens autour qui gravitent autour de ce mouvement, quoi. Ouais, puis du coup toutes ces choses qui se passent, que ce soit Nuit Debout, les Gilets jaunes, ces mouvements-là, ça permet justement de créer du réseau. La prochaine fois, il y aura encore plus de monde parce que les liens, ils ont été créés à un moment donné. Et typiquement, il n'y aurait peut-être pas eu autant de monde sans les Gilets jaunes et les Nuits Debout, en fait, un truc comme ça. Oui, oui. Parce que, de fait, il y avait les Gilets jaunes et les gens de Nuits Debout qui étaient là. Donc, tous ces trucs-là, c'est des petites graines qui, de toute façon, effectivement, même si sur coup, semblent avoir été... avoir pas fait grand chose, en fait si, elle prépare le terrain quand même. Et de toute façon, voilà, un changement il se fait jamais comme ça du premier coup avec un truc qui se passe, c'est du temps long, on n'en verra peut-être même pas les fruits, mais en fait le jour où il y aura un basculement, s'il doit y en avoir un, ça sera parce qu'il y a eu tout ça avant. Et c'est pour ça que c'est important d'être là, c'est pour ça que c'est important de le faire, même si c'est un peu parfois déprimant parce qu'on a l'impression que ça fait rien changer, que ça fait pas bouger les lignes parce qu'il y a des autistes qui sont aux manettes. Et ben ouais, non, en fait, il faut avoir conscience que tous ces trucs-là, ça crée les conditions nécessaires à ce que l'étincelle un jour fasse que tout ça, la mayonnaise se prenne. Pour faire un tout petit raccourci sur l'action de ce matin, les gens déprimés sont tombés par terre, mais se sont relevés avec la niaque et avec une envie que un monde de demain soit possible. Par d'autres gens, du coup, de manière solidaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fréquence 7. Alors, je me permets de faire un petit ajout à ce qu'ont développé à la fois Fred et Nicolas. Après cet AG, quatrième AG au centre Le Bourneau, où il y avait beaucoup d'idées encore, d'actions, de plein de choses. Le mouvement reste très ouvert. Alors, la première chose que je voudrais rajouter, c'est d'abord le communiqué de l'Odéon au départ de cette lutte, qui s'est passé, ça a commencé le 4 mars. Une quarantaine d'artistes occupent le théâtre de l'Odéon à Paris, pour réclamer notamment le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Et au-delà de leur combat pour la culture, leur but est de fédérer d'autres luttes sociales. Voilà. Après, je vais vous lire rapidement le communiqué de presse édité par le collectif du Bourneau, qui date du 30 avril. Alors, occupation du centre Le Bourneau à Aubenas. Nous, travailleurs, travailleuses, chanteuses, chômeurs, précaires, occupons le centre Le Bourneau d'Aubenas
à compter de ce jour 30 avril, dans la continuité des 105 lieux occupés aujourd'hui en France suite à l'appel de l'Odéon. Face à l'urgence sociale, nous exigeons l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche pour les intermittentes et intermittents et son extension à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs précaires avec le maintien des droits sociaux, assurance chômage, assurance maladie, congé maternité, etc. Nous dénonçons la politique gouvernementale, ses lois liberticides et sa dérive sécuritaire qui vont à l'encontre de l'humain et du vivant. Ici, au centre Le Bourneau, nous désirons construire ensemble, créer, inventer, manifester, jouir, et nous appelons à élargir la mobilisation à toutes les luttes sociales. Une première assemblée générale aura lieu ce jour, etc. Ce que nous le défendons pour toutes et tous, le collectif d'occupation. Je fais ce petit ajout parce qu'il y a eu un problème technique à l'enregistrement. Au début de l'interview, vous entendez que l'on parle du fait qu'il y avait une convergence pour les vendredis de la colère à Valence. Les gens qui sont partis à Valence ont participé à une action qui s'est passée dans un supermarché. Et le mode d'action était du genre venez acheter pour le prix d'un, vous aurez deux intermittents, c'est pas cher. Allez, à bientôt.